toujours à l'intérieur du palais Pinelli-Pignatelli, il y a l'exposition des radios d'époque les plus célèbres. Outre les radios avec les designs des années 20 des marques telles que Safar, Fonola, Magnanide, Telefunken, Radio Marelli, plus d'une centaine de récepteurs provenant de différentes nations sont exposés à l'intérieur. En plus de la salle dédiée aux radios, il y a aussi une autre salle adjacente dédiée au célèbre personnage Guglielmo Marconi, représenté par un buste en bronze. Ici, une station télégraphique a été installée avec les différents instruments scientifiques, comme la classique bobine de Ruhmkorff et la machine électrostatique de Wimshurst.